Hey, salut les petits culs et bienvenue pour un nouvel épisode des Enfants Parfaits. La dernière fois, lui il a le style, lui il a le style. La dernière fois, on avait fini l'épisode, mais genre au top du top, puisque il me semble bien que je suis à 4 ou 5 sur 7. On en a un, on en a deux, on n'en a pas trois. On en a trois. On en a quatre. On en a cinq. Et il nous reste que deux ados à perfectionner en résolution de conflits. Je vous dis, moi, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Je n'y croyais pas et pourtant j'ai réussi. Il faut vraiment, du coup, ça va être... on se castagne, on se castagne. Donc on est sur... Non, c'est Nicolas. Et Aurélie. Alors Nicolas et Aurélie, donc les roues de la famille, ont besoin d'être coachées. On est cool! Et puis Lily, t'es là. Lily, t'es là. Et elle n'est pas enceinte. Hey! Ben tant qu'à faire, dis donc. Oh là, ça ronfle. John, va embrasser ta meuf. Et conversation profonde. Regardez-moi. John va devenir vampire. Il s'est fait mordre la dernière fois. Et si tu veux... Voilà, tu demandes leur mariage. Alors là, on est fou. Puisque je le ferai peut-être déménager dans le manoir Vatore. Oui, un petit bébé. Il en a que 9. On va arrondir à 10. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, Lily touille. Wouah! Le vent? Ah, salope! Mais non! Elle veut bien faire des gosses avec lui. Mais pas se marier. Ah, je suis choquée. C'est pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de devenir adulte, c'est ça, mais c'est ta faute aussi, t'as pas voulu lui de rendre le rendre immortel. Lily, trouvez-nous salope. Hop, et tu referas un bébé après avec elle. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, on va laisser gérer les petits enfants. Aurélie. Aurélie, on va te coacher aujourd'hui. Tu dois améliorer ta résolution de conflit. Hop, 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 hop. Mais tu peux manger, espèce de nunuche. Dans ce cas, tu vas te fighter avec tes frères. Embêté. Voilà. Dénigré et embêté. On va savoir ce que ça donne. Alors, tu vas t'excuser? Tu vas t'excuser. On est lundi, ils vont devoir aller en cours de toute façon, donc... Salut Charlotte! Moi je vous laisse faire votre vie, hein. T'as essayé de t'excuser là? J'ai pas vu moi. Mon Nicolas, faudrait peut-être que tu te lèves aussi. Oui, tu sèches. Tu vas aller au pipi room, je vois que tu dois aller faire pipi. Et t'iras après. Par contre, on va peut-être aller en cours, non, les filles? Ah, mais tant pis, hein, vous irez. Qu'est-ce qu'il a lui? Ouais, bah... Oh là là! Il a pas assuré au pieu! T'es nul! John, t'es nul! Alors, tu dois avoir 100 000 abos. Bah écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais va en cours! Mais Nicolas aussi, hein! Non, mais va pas te laver les mains, on s'en fout! Allez là, on va en cours les gosses! John! Tu vas reprendre ta toile, ça te fera du bien, et après tu vas streamer un petit peu. Tu vas sur ton réseau social
mettre à jour ton statut. Tu vas lancer un mème amusant et puis surtout tu vas jouer en ligne. Allez, vive les Sims, parce que ça marche bien sur YouTube de jouer aux Sims en live. 380. Non, on va faire ça à la maison, donc comme d'hab. Alors, être drôle avec 5 Sims différents et faire un discours énergisé sur le quartier. Oh, c'est chiant. Allez, vas-y. Bon, bah, on finit pas ta toile, on s'en fout. Je préfère que tu sois. Oh oui, il se transforme. Il se transforme. Charlotte passe par une phase. Ok, très bien. Désormais. Ok, bon, on en est encore loin, mais. Mais Charlotte! Vancourt, bon sang! Mais c'est quoi cette thug? Tu vas perdre de la responsabilité, là, ça va pas, hein? Je pensais que t'étais parfaite. Alors, John. Quoi? Ah. Ah. Je préfère encore augmenter l'empathie parce que la responsabilité, ça ira avec les devoirs. 15 000 abonnés. Ah putain, trop bien. Tu vas tout donner. Il est plus responsable, mais c'est pas grave. Il le sera de nouveau après. Vous allez réviser tous assidûment. Hop. 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 Et hop. Mais oui, ça va aller mieux. Tu t'es pris un vent magistral. On t'en parlera pas. Il n'y avait personne qui l'a vu. On dira rien. Vous êtes d'accord avec moi? On dira rien à personne. Il s'est rien passé. Voilà. Courrier t'est distribué. 1 200 euros de facture. Enfin, Simflouze. Voilà, il va diffuser, 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 diffuser. Merde. D'accord. On les ignore. On va jusqu'à midi, il va streamer et après on va se bouger pour faire notre tâche du jour. Il en a gagné 1 200. Il a 44 000 abonnés. Il va prendre une petite douche énergisante et après on y go. C'est quartier chic. Ok. Quartier chic. Nous voilà. On est y part. Par contre, c'est vrai qu'il est pas bien. Il faut qu'il soit très énergisé. Ça m'énerve, leurs salles de sport, elles sont tellement mal foutues. Voilà, homme. Oh, bref, je m'en doutais. Tu vas reprendre. Ah non, c'est bon! C'est bon, c'est bon. Ah, tu vas aller dehors. Faire un discours tout de suite. Faire un discours énergisé. Allez, go! Go, go, go! John, John, John! Voilà sa fille, sa première fille. J'ai entendu que tu fréquentais Lilith. Félicitations pour ta nouvelle petite amie. Mais en fait, c'est ta mère et je suis ton père. Donc forcément, on est ensemble. Ah, il est à fond là, John. C'est encore plus drôle en accéléré, hein, on est d'accord. Bon, il est plus du tout énergisé, mais bon. Le discours n'a inspiré personne. Il faut que tu sois drôle avec 5 personnes maintenant, John. On va choper toutes les personnes qu'on trouve. Ah, on va Brent, le Brent blanc. On va. Drôle. Faire une blague type de type. De type, n'importe quoi. Elle. Amusante. Elle. On va faire une histoire drôle sur la mode. Alors. Ça y est, ça fait 1. Voilà. Ah, c'est bon, t'as été 2 fois. Oh, la belle Sonia Gothique. Présentation amusante. Voilà. Ah, Paul a terminé avec un B. B et B et B. 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 Ok, on est donc sur la note de B en global. Oh,
Mince! Tu offres un cadeau amusant. Amoureux des chiens, on s'en fout. Offre-lui un cadeau amusant à la belle. Ah, pardon. Il a encore les marques dans le cou. Si, ça l'a fait rire. Mais il est mal à l'aise. Il faut que tu sois drôle, John. Mince. Oh non, bah écoute, tu vas rentrer et on sera drôle avec un de nos enfants. Parce que là, il a faim et tout, donc il faut qu'il mange. Allez, go. Non mais franchement, on n'est pas encore rentré qu'on nous saute dessus. Ah, je m'en doutais. Mais non, si tu vas... Oh, tu pues, meuf. Va te prendre une douche. Après, tu manges et tu vas surtout te contrôler les émotions. Tu vas voir, tu vas les contrôler. Mais vous êtes fou. Alors non, tu sais ce que tu vas faire, toi. Tu vas. C'est toi qui va prendre. Tac tac. Je t'ai un service. Voilà. Papa, il a faim et papa, il est fatigué. Papa, il va se faire une petite siestoune direct. Voilà, il va se reposer. On va faire sa sieste. On va acheter de la pizza au fromage. Ah, dis donc, vous arrêtez de vouloir être méchant, là. Vous n'allez pas me gâcher tous mes efforts, quand même. La roussisse, la rouquine, la roussisse. La roussisse. Voilà. Aider à améliorer... Ah, voilà. Ou est-ce que ça va t'augmenter ton truc? C'est toi, t'es la plus loin. Hein. Oh, le contrôle des émotions, elle. Alors, ça t'augmente? Oui, ça l'augmente. C'est cool. On peut pas faire autre complimenter sincèrement. Mais arrêtez avec vos phases. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle aussi? Oh mon dieu, mais c'est pas vrai. Ils passent tous par là. Qui c'est qui a commandé la pizza? Je crois que c'est toi. Tiens, prends la pizza. Arrête de danser. Non mais je suis obligée de refaire un tour là. Oh la responsabilité. Nicolas. Oh, il est à deux doigts de la résolution de conflit. Ah tiens, il va pouvoir aider à améliorer. Là, ça va lui remonter. Je pense que lui, il sera bon. Et après, tu fais tes devoirs. On est OP, hein. Yes. Nicolas, t'as remonté. Oh putain, il est à un poil de cul. Hein. Il est à un poil de cul d'être parfait, ce petit. À toi. On va te complimenter. Non. Alors, on va prendre qui s'entend pas bien avec tes gens. Bah, il y a... On va choper Paul. Paul, on va dire, mais dis donc, tu pourrais améliorer ta relation avec machin bidule? Pas d'ailleurs. Oh. Ils peuvent pas le faire tout le temps, j'ai l'impression. Toi, tu vas le faire, du coup. Oui, bien sûr, il va y pas l'avoir. Il va falloir se fighter les uns les autres. Tiens, tu vas t'en prendre à ta sœur. Dénigré. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Connasse! Eh, viens. Tire aux toilettes. Oh, tu iras réparer parce que les gosses, ils ont tout cassé. Eh, tu sais quoi?
J'ai envie de la nourriture grasse. Non, bah non, t'es un vampire, Caleb, arrête. Bon, pour l'instant, il peut encore manger. La résolution de conflit. Attendez, attendez, attendez. Mais pourquoi, comment? Je n'ai rien fait, moi. Je sais pas comment ça fonctionne. Oh là là, John. John, il a des sacrés problèmes intestinaux. Hein. Tu vas t'excuser. Oh là là, non, non, la musique là. Je m'entends plus. Oh. Ils partent tous en vrille. Aidez à améliorer. Voilà. Arrête, John, c'est bon, c'est les gosses le front. Toi, va te divertir. Toi, tu vas aussi te divertir et tu vas manger. Toi, tu vas pisser. Toi, tu vas manger. Toi, tu te divertis déjà, c'est bien. Je suis complètement concentrée sur ce qui se passe. Tiens-toi. Toi, t'avais baissé ton niveau de contrôle des émotions. Donc tu manges. Oh putain. J'en peux plus de leur phase là. Tu manges, c'est cool. Je te laisse manger. Après, les gosses, vous allez faire vos devoirs, hein, parce que c'est pas une raison, hein. Oula, faire ses devoirs. Tout le monde fait ses devoirs. Il a gagné le point. Yes! Ah non, il a perdu la responsabilité. C'est pas grave, il va faire ses devoirs, ça va remonter. Mais voyez, j'ai même pas besoin de faire. C'est bizarre en fait. Ceux qui ont gagné la résolution de conflit conseillent d'eux-mêmes les autres. Donc j'ai plus rien à faire moi. L'hôtel pleure. L'hôtel est hébété, mais pourquoi? Délirante, d'accord, elle est malade. Tu feras tes devoirs aussi, hein, cocotte. Émilie Lambert. Ouais, vas-y. Le souffre-douleur. Papa, il est reparti dormir. Oui, mais non, quand même. Tu termines ta toile qui est absolument géniale. Ah, oh, il y a encore un chiotte de pété, mais c'est pas possible. Regardez-moi ces enfants, tous sages, tous parfaits. Ou presque parfaits. Tiens, c'est Aurélie, tu vas. Elle est où la meuf? Qui voulait rentrer chez nous? Je sais pas. Ah, si, elle est là! Voilà, salope, elle est rentrée toute seule. Tu vas illuminer sa journée. Faut que ce soit un peu le cobaye encore, hein. Tu vas l'insulter. C'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'elle est restée toute seule dans la chambre, parce qu'elle est distante. Papa, il en peut plus là. Il fait oh, ils sont bons la pizza. D'accord. T'as été mauvaise avec? Tu vas t'excuser. Non. Tu vas t'excuser. Hop. Oh punaise, il ronfle l'enfoiré. Ah, j'hallucine. Aurélie, toi, ça a été... le divertissement était vraiment pas terrible. Et puis, tu vas aller courir, surtout pour te vider l'esprit. Voilà. Pour le contrôle des émotions. Bon, hé! Vous commencez pas à faire de la merde, hein, tous. T'iras pisser, Ok. Ok. Toi aussi, tu iras manger.
Elle, ça va. Parce qu'ils savent pas gérer leurs propres besoins, donc. Aurélie! La résolution de conflit, elle est tellement loin, quoi. Elle est tellement loin. Est-ce que. Non, c'est Nicolas qui devrait donner des conseils. Je sais pas. Enfin, vraiment que je fasse un focus sur eux deux. Ouais, lui, c'est la responsabilité, mais il aura fini ses devoirs et c'est bon. Hein. Mais lui, il a gagné la résolution de conflit. Donc on est bien, quoi. Occupez-vous un peu de vos besoins, les enfants. Oui, je sais, ma belle. Oh là là, c'est quoi ces fringues? Non, la musique, bordel! Je sais pas si vous entendez bien, mais alors, ils se mettent à faire hurler la musique. Est-ce que papa, il peut améliorer Non. Non. Tu peux par contre mettre à jour ton réseau social. Tu peux payer les factures. Tu peux jouer un peu en ligne. Non, tu peux pas. T'es trop mal à l'aise. T'es chiant, hein? Alors, on va voir un peu ton arbre généalogique. Ah. Les filles de Lilith, Cécile et Marina, eh bien, elles sont toutes les deux brunes. Et peut-être qu'il y en a un autre dans le tiroir, sait-on jamais. Donc voilà la palmarès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ah ben oui, 7, 8, 9. Voilà. On est à 9 enfants. 20 abonnés de plus, John. C'est bien. Est-ce que ton réseau social. Tu vas plus bien, statut. Et tu vas dormir. Voilà, sans au moins, ce sera fait. Hey, tu t'entends bien avec elle maintenant? Tu vas être méchante. Tu vas l'insulter, tiens. Comment ça, résolution de conflit, toi? Non, hein, commence pas, hein. Tu vas t'excuser. Ouais, fais pas de conneries, Louise, hein, je te surveille. Hein. Tiens, et toi, est-ce qu'on peut t'améliorer alors qu'on te connaît pas? Améliorer. Non. Tu vas aller prendre une douche et tu vas aller dormir. Comment ils vont? Toi, tu vas. Tu manges, ok. Tu iras te laver aussi après? Toi, tu vas aux toilettes et tu vas t'amuser. Toi, oh, il va pisser, Nicolas, ça va plus du tout. Est-ce que tu as récupéré ta responsabilité? Non. Il n'a pas récupéré sa responsabilité. Elle est partie dormir, mais elle n'a pas récupéré son contrôle des émotions. Ça ne va pas. Va aux toilettes. Tu vas manger ta pizza aussi. Tu vas en divertissement. Mais où est-ce qu'ils mettent leur putain de truc là? Oh, j'en peux plus moi. Leur journal intime, ils le mettent où? Il n'y en a plus aucun qui l'a sur lui ou quoi? Non mais elle non plus, elle l'a plus. J'en ai ras-le-bol, hein. Franchement, faut toujours en racheter et tout. Non, c'est pas possible. Elle a dit PewDiePie? Tu vas l'embêter. Ah, j'ai cru que la truc était cassée. Je suis non, c'est fini, hein. Attends, attends, attends. Avant de partir, je vais m'excuser.
Ok, t'iras utiliser. Et t'iras te divertir aussi. Allez, Aurélie, s'il te plaît. Tu montes, n'empêche. Tu t'es excusé? On s'en fout, vas-y, se barre. Aurélie. Contrôle des émotions, n'est toujours pas remonté. Bon, je vais lui racheter un journal intime. Ça me saoule, mais hein, on n'a pas le choix. Oui, c'est bon, je vais en mettre là. Je vais en mettre un autre là. Voilà, parce qu'il en manquait. Tu vas écrire dans ton journal intime. Et tu vas le mettre dans l'inventaire. Voilà. Tu as paumé ton officiel, donc tu casses les pieds. Attendez, tout le monde est parti se coucher, mais non, toi non. Tu vas te lever, mon petit, tu vas aller aux toilettes. Et après, tu vas dormir. À qui est compétence écriture? Ok. Toi, t'as besoin de divertissement. Ok. Toi, t'as besoin de divertissement. Ok. Toi, on va te laisser dormir. Toi. Ok. Tu vas te réveiller par contre. Et tu vas me prendre une part de pizza. T'iras te coucher. Toi, on est en train de te faire bosser. Et après, t'iras dormir aussi. Et toi, t'es en train de te divertir. Ok, on est bien. On est bien! On rattrape un peu le bordel. Contrôle des émotions. Ok, c'est elle. Ah oui, parce que... elle en a perdu, quoi. C'est chiant. On est à 1, 2, 3. C'est Nicolas. Ah non, Nicolas, il manque la responsabilité. 3. 4. Et on est redescendu à 4. On était à 5, on est redescendu à 4. C'est chiant, hein. Quoi? Tu veux quoi, toi? Là, c'est pas ta chambre. Tu vas pas dormir là. Divertissement, mais tu sais pas jouer au PC, jouer au Big Block. Dépêche-toi. Voilà, là, c'est bon. Et puis après, tu vas être couché. Je sais pas où est ton lit, mais c'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'un garçon. Bah, c'est Nicolas. Nicolas, prends ton lit. Hop, allez. Tiens, dans celui-là. Allez. Go. Là, il est tard, il est 1h30 du matin. Normalement, tous les enfants sont au lit, hein. Et va te coucher. J'en ai marre. Oh là là, j'ai régressé dans cet épisode. C'est nul. C'est trop nul. On va éteindre ça. Parce que j'en ai marre de la musique. Voilà! Et elle, elle fait quoi? Elle écrit sur notre bureau? Tu te prends pour qui là-haut? De où t'écris sur un bureau qui est pas le tien? Donc voilà pour cet épisode. On va refaire le tour. J'ai donc perdu. J'ai perdu, on a perdu la responsabilité de Nicolas, mais il a gagné en résolution de conflit. J'ai perdu dans l'histoire Aurélie, qui a perdu en contrôle des émotions, donc il va falloir remonter ça. Et Aurélie, elle est pas loin pour la résolution de conflit. Donc on est vraiment, vraiment très proche de la fin et d'avoir gagné pour tout le monde, mais on n'y est pas encore. Effectivement, il faut peut-être que quand même je les gère, parce que quand je les gère pas, ils font un peu nawak. Parce que je les laisse faire, mais effectivement, il faut que je sois au taquet. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner pour voir la suite et la fin des enfants slash ados parfaits. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut!